Je voudrais souligner simplement que de décider de venir vous rendre visite ce matin ici à Djibo, notamment aux forces vives, mais également aux forces de défense et de sécurité que j'ai rencontrées ce matin avant cette rencontre. Je voudrais dire que nous sommes très conscients des difficultés que vous vivez et le maire a eu l'occasion d'en négliger certaines, mais il apparaît clairement que l'ensemble de ces difficultés, que ce soit au niveau des commerces, de l'activité économique, que ce soit au niveau de l'ONEA, que ce soit au niveau de carburant, ne pose qu'une seule question. La question de la sécurité du Soum, la question de la sécurité de Djibo, la question de la sécurité au niveau du Sahel. Tant que nous n'allons pas ensemble travailler à résoudre cette question, comme on dit, partout où il y a guerre, partout où il y a des combats, il est vain de penser au développement.